Et lui les gens, bienvenue sur frappstesjeux.fr ou sur mon blog tissant3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Legend of Kay Anniversary, donc sur PC. Un jeu qui m'a été offert par Christ, encore une fois merci à toi, c'est parti pour un tour. Nous venons de sauvegarder, nous sommes dans la caverne du dragon, je crois, quelque chose dans le genre. Ok, donc là ça me dit qu'il y a des... Il y a du poiscaille qui vole. Ou que ça sent trop fort le poisson, je ne sais pas. Je sais pas trop dans quelle direction il faut que j'aille. Le ventre oh, du dragon. Ça suffit. Dégage, petit ranger fouineur, avant que je ne déclenche mon lance-flamme. Ok, bon attendez. Mais tu vas te calmer, oui. Je vais récupérer les petites choses à droite à gauche. Non. Est-ce que ça... Non, ça me fait perdre un carreau. Ça me fait perdre un carré, pardon. Pas un carreau. Allez, on y croit. On y croit, on y croit. Voilà. Bon bah apparemment je peux monter directement, d'accord? Ça brûle. Vous y avez cru et je me suis loupé. Honte à moi. Du coup. On est arrivé au bout. Ah! Petit coffre. Faudrait que je connaisse par cœur les sons qu'il y a sur le logiciel. On y... Voilà, on s'y retrouve cloué. Ah, le jeu est sympathique, hein. C'est juste que le doublage est terrible. Et j'ai énormément mal à me faire la maniabilité, forcément, puisque le jeu est un peu ancien maintenant. Écoute, ah, Smog. Je suis un chat, pas un rat. Quoi? Désolé, je t'ai pris pour un rat. Bien, maintenant dans la lumière, je vois bien que tu n'es pas un rat. C'est toi qui as vaincu Boawax. C'était un beau combat. Rien qu'un bon entraînement. Je cherche Tac. L'as-tu vu? Vu? J'ai presque réussi à le rôtir. Cette vermine est venue ici me chercher. Ah, nous sommes bien d'accord. Tu sais, coucou Philou. Il possède des amulettes de transformation. Elles transforment un animal paisible en bête enragée. Ce sont des monstres terribles. Il vaut mieux ne pas se mêler de leurs affaires, petit. Ok, mais Tac ne va pas s'en tirer comme ça. Pas tant que le guerrier chat respirera. Sois prudent. Beaucoup d'animaux ont choisi son camp et Tac utilise l'alchimie. Je serai prudent. S'il vous plaît, pouvez-vous protéger les lièvres? Tu peux compter sur moi, jeune ami à fourrure. Merci, à bientôt. C'est vrai que c'est original, hein. Je sais pas à quel moment ils se sont dit dans le doublage du jeu. Bon les gars, on va trouver un accent pour chaque personnage qu'on doit doubler. On sait que ça se passe à Perpète. Dans un environnement plutôt asiatique, on va donner un accent anglais au dragon. Tout ceci est parfaitement logique. Tac. Petit à petit, je me refais un petit peu au gameplay. J'ai l'impression de revenir sur des vieux jeux, genre Rayman ou genre de choses. Enfin, Rayman 2 en l'occurrence. Hein. Auquel j'avais pu jouer à l'époque. C'est que je suis très perturbé parce que la caméra est inversée encore une fois. C'est si je vais à gauche, elle va à droite. Si je vais à droite, elle va à gauche. Et j'ai pas toujours le réflexe. Petit à petit, je m'y habitue. Bonjour, auriez-vous d'autres vases à casser? D'autres trucs à me rapporter? Et il faudrait que je trouve la deuxième... Parce que je suis arrivé au bout, mais je n'ai pas la deuxième statue de chat. Parce qu'on voit bien qu'il y a l'épée ici, mais... Il va falloir que je revienne en arrière, on va essayer pour voir.
Rayman 3 que j'avais adoré. Faut qu'on se le refasse un de ces quatre, hein, le Rayman 3. Bah écoute Maël, pourquoi pas. Après je t'avoue que là en ce moment ça va être très compliqué à faire. Parce que j'ai vraiment pas assez de temps. Après en live peut-être, mais si c'est en live on fera ça avec plusieurs personnes. Pas juste tous les deux. Bah je vais bien Hashtex. J'ai bien, j'ai pris le temps de me réveiller un peu quand même parce que je suis en plus à la ramasse. Ouh là là, va pas trop vite s'il te plaît. Je cherche une statue de chat. Ah, j'ai l'impression que vous avez peut-être encore de la latence sur YouTube, c'est possible. Parce que j'ai l'impression que vous réagissez à des choses un peu en retard. Ça a touché que Rayman 1. Bah de mon côté c'est l'inverse. J'ai touché au 1 mais j'y suis pas resté très longtemps. Je l'ai jamais fini. Ah oui, quand je retombe dans l'eau en fait ça fait comme si ça m'avait utilisé encore plus de choses. Allez par là-bas. On y croit. Ça peut le faire. Oh, la fameuse statue de chat. Enfin, bon, on va revenir parce que je vais bien pouvoir essayer de sauter de plus loin. Au cas où. Voilà. C'est toi, d'accord. Ok, d'accord. Coucou Adrien! Comment ça va? Coucou Isa! Ça va aussi? Pas trop fatigué? Hop, encore un petit peu de pognon. Et ça, c'est fait. J'ai plein de sous, mais j'ai rien à acheter pour l'instant. Faites qu'on a un raccourci qui se mette en place pour qu'on puisse passer tranquille. Vous gagnez une nouvelle épée. Qui a quand même la classe. On va pas se mentir. Bah, ça va bien. Impeccable à ce point-là. Ah, t'as une bonne nouvelle? Bon, il fait quand même l'effort de nager. Enfin, les chats aiment pas l'eau, t'en as certains qui aiment bien prendre des douches, par exemple. Ou autre. J'aime bien comment le chat se secoue à la fin pour pouvoir se débarrasser de tout ce qu'il a sur le corps. En nous. Des connecteurs PC pour PS1 et PS2. Qu'est-ce que t'appelles des connecteurs PC? Exactement. Tu souhaiteras acquérir l'image de ta PS1 ou de ta PS2, c'est ça? Comme c'est les vieilles consoles, normalement il faudrait une carte d'acquisition soit ancienne, soit récente. Si c'est une récente qui fait du HDMI par exemple, il faudrait un adaptateur... Ou je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Un upscaler, peut-être. Où tu peux brancher ta PS1 d'un côté et de l'autre ça te fait du HDMI qui sort. Tu m'étonnes, nous. Ah, bon, déjà, vous avez. Normalement, tout le monde a un petit décalage en fait. Hey, Smug. Ça passe carrément bien avec un accent anglais. Non, faut que j'aille récupérer l'épée avant. Pensons-y, ne faisons pas de bêtises. Monsieur Pédobir, le seul, l'unique, c'est ça? Ou tu parles d'autre chose? Ou j'ai pas suivi? Coucou Tartine! Comment tu vas? Pas trop fatigué?
Tu as trouvé une nouvelle épée, grâce à elle, tu feras plus de dommages à ton adversaire et ton attaque magique sera plus puissante. Et bah voilà, parfait. Ça me plaît. Je veux le pouvoir. Le pouvoir. Bon, normalement, ça c'est terminé. On va pouvoir ressortir. Ah, quand même, Maël, doucement. Oui, parce que le lien, normalement, ça devrait fonctionner. Tu vois. Ah oui, je l'avais vu, j'ai pas compris ce qu'il disait, le mec. La plupart du temps, j'ai rien compris. Mais il faut une carte d'acquisition, normalement, qu'elle soit... Que ce soit un vieux truc qui permette de brancher en... Je sais plus ce que c'est. RGB dessus. Enfin non, c'est pas RGB, comment... Je sais plus comment s'appelle ce câble. C'est pas du Péritel, mais bon. Parce qu'elles sont rares, je crois, les cartes d'acquisition sur lesquelles tu peux brancher directement du Péritel. Tu parles pas du pédobir. Ah, j'ai raté un épisode alors. Ouh, est-ce que ce serait un boss? Je sens que cela va être un monde terrible. Bon, je m'en fous, j'ai une nouvelle épée. Alors, que ça me dit de beau ça? Fais pointer les ongles dans la bonne direction. Roblox, j'en ai entendu parler, j'étais pas très intéressé par le jeu. Je sais, Hashtag. Ça fait des années qu'il grince. Le truc, c'est pas pratique parce que là, encore une fois, pareil, le jeu regarde le sol. Et pour orienter la caméra dans le bon sens, c'est pas pratique. Là, y a rien. D'ailleurs, ça me rappelle que la dame m'a pas encore répondu. Ni au téléphone. Ni au... à mes SMS. De quel côté je suis censé... Faire quoi là-dessus? Ah non, attendez. Ah, d'accord. Je crois que je viens de comprendre ce que je vais faire. Faut que je les mette dans la bonne direction. Ah, ça marche pas. Ah oui, si j'avais vu le truc du sandwich poli, mais c'est tout. La flèche, c'est bon. Ok, donc en gros... Quoique...
C'est bien gentil, mais je suis censé le... Pourquoi ils m'ont fait ça? En quoi est-ce que cela peut m'apporter un avantage de passer par là-bas? Et comment, surtout comment puis-je l'atteindre? Ah, bah tiens, marchand. Bonjour, monsieur. Bonjour, jeune guerrier. Je ne t'ai encore jamais vu ici. J'ai un conseil pour toi. Méfie-toi des bêtes terribles qui rôdent par ici. Mais bon, que désires-tu? Les crasses fait tout pardonner. Il y a un peu de ça, oui. C'était quoi ce son? De quoi? Lequel son? Nouveau. Ça c'est quoi? Bombe aveuglante. Ok. 400, on va la prendre. Je suis réputé pour mes armures. Élégante, raffinée et très résistante. Merci. On a plein de pognon, donc on va pas se... Et y a rien d'autre pour le moment. Je suis sûr que j'ai raté des choses. Genre porte démoniaque et autres. Bon, comment suis-je censé accéder à ça là-haut? Après. Il y a ce truc là, mais je vois pas par où je peux passer. Tartino 1000. Je viens de comprendre. Je sais plus s'il avait écrit, mais ouais, je suis tombé. Je sais plus si quelqu'un me l'a envoyé déjà ou. Cette vidéo. Oui, non, mais c'est un mec qui parle et effectivement, ça donne un peu sur deux choses. Par contre, je suis censé faire comment là? Parce que je vois qu'il y a un truc là-bas. Obligé. Quoi qu'attendez, non. Je crois que je vais relire. Non, mais j'ai bien compris comment ça fonctionnait, mais. Attends que ça apparaisse. On va tenter de. Mais pourquoi tu me dis que. En fait, je suis obligé de la faire que dans une seule direction? En fait, ça sert à rien, tu peux pas te tromper. Et moi, j'aurais aimé la faire dans l'autre sens, la flèche. Il faut que je forme une flèche qui pointe dans la direction où je veux aller. Oui, mais tu me laisses... C'est pas où je veux aller, c'est la seule direction qui est possible, en fait. Ça me paraît tellement pas logique d'aller par là-bas, du coup. Ou du moins, comment je fais une fois qu'on a pointé la bonne direction? Non, mais tu tapes pas les deux! Allez, viens là. Je vais finir par arriver. Casser le mauvais truc. Voilà, et après? Ah, s'il y en a un qui apparaît là-haut. Ok. Faudrait juste que je puisse le viser. Voilà. Parfait. Ça, c'est fait. Ce train servait à Sarceau pour activer le suivant. Tu as 3 secondes pour sauter, sinon tu devras recommencer au départ. Prix, si tu parviens à sauter à travers 12 cerceaux, tu gagneras un porte-magie. Voilà, on va essayer. Bonjour tout le monde.
Coucou Mirage. Et coucou Messiaton, comment vas-tu? Bienvenue par la même occasion. Towerfall sur Switch. D'accord. C'était cool un hashtag, effectivement, ces phrases-là. Phrase doublage. Tu ne connaissais pas ce jeu, Sidrag? 2005, je crois que c'est sur PS2. Alors, faut que je saute à travers les cercles, on va aller voir. Le jeu a pris un coup de vieux, notamment en termes de doublage. Oh. Ah mince, raté. C'est pas très maniable. Hein. Faut que j'arrête de sauter en fait, je pense. Ah mais non. C'est vrai, il faut vraiment que je passe au centre. Mais j'ai l'impression que je peux pas prendre les virages après si jamais je passe trop au centre. On va réessayer. Mais non! Pourquoi t'es passé à côté? Bon, pour ceux qui ne savent pas d'où vient, je peux pas tourner plus que ça, à moins que j'utilise les gâchettes pour tourner plus vite. Il y a sûrement ça. Ça sent la mort ici! Ouais, si ça prend bien, mais meilleur virage. J'avais galéré pareil pour le premier. Faut pas abuser des bonnes choses. Mais... Ah, parce que je peux passer à travers le cercle. Mais qu'est-ce qui s'est pas... Ah, mais... Allez, on réessaye. Punaise, te quiche. Allez. Non. Non. Au doublage médiocre, chevauchera. Une imitation de Pomba pour traverser les anneaux, on se fait. C'est ça. Attends, on a colorié un de plus. Red. Ce bonjour tout le monde, il sort du doublage québécois de DBZ. Je ne sais plus qui hier a partagé ça. Et j'avoue que, même moi qui suis pas spécialement fan de DBZ, j'étais mort de rire devant. Ça passe. Ça passe, je peux le faire. C'est vrai, j'ai réussi. Bonjour tout le monde. C'est la voix de Sangohan. Oh, mais il a un fils. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. On dirait Mickey quoi, Sangohan. C'est Tasmanian Tiger. Ouais, non, c'est pas celui-là, effectivement. En même temps, c'est logique que ce soit pas celui-là, puisqu'ils ont pas le même nom. Mais je vois duquel tu parles. Je vois à quoi ressemble la jaquette, en tout cas. Parce que j'ai jamais fait le jeu. Normalement, je gagne un porte-magie. Ah non, un porte-coeur. Je crois que c'était un porte-magie qui me donnait. Mais non. Bon, d'accord. Ok.
D'accord. Oh les cœurs, me voici. C'est tellement abusé, quoi. 36 essais à ce moment-là? Non. Quand même. Je suis pas si mauvais. Regardez-moi ce pull à souris. Moi, très, très peur. Hey, les gars, vous savez, rira bien qui rira le dernier. Rira qui? Ah, qui quoi? Bien. Ces rongeurs sont de vrais génies. Sortez vos armes, tête creuse. Ce sont la mort ici. Ah bah ça va, je me sens puissant là pour l'instant. Bon bah ça, c'est pas si mal passé, non? T'as vu ça un peu comment c'est beau, Adrien? Qui débute au théâtre? Ah non, mais... hein. Elles sont toutes comme ça, les voix, quoi. Un peu de choses près. Alors, ça donne un charme au jeu, hein, parce qu'en fait, tout est égal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de doublage qui soit mieux qu'un autre. Donc, du coup, c'est pas choquant. T'as l'impression que c'est parti de l'univers et qu'ils parlent tous bizarrement. Mais ça fait bizarre, quoi. Ça fait bizarre aujourd'hui, dans un jeu vidéo, d'entendre ça. Est-ce que c'est par là que je viens? Je sais plus. Ouais, je crois que c'était par là que je venais. Et c'est par là-bas qu'il faut que je parte. Salut, Achirit! Peut-être que t'étais déjà là, je sais pas. Et salut, Ryujin! Comment vas-tu? Kay, tu as besoin d'une clé pour cette porte. J'ai essayé de l'obtenir, mais je n'ai pas réussi à chevaucher le sanglier. Oh non. Tu auras peut-être plus de chance. Mais quelle idée de chevaucher un sanglier? Voilà, le concept, encore une fois, de ce jeu, dans le doublage, c'est de mettre un accent sur chaque personnage. Vraiment. Ça se sent qu'ils se sont amusés avec ça. Ok, donc faut que je chevauche le sanglier. Je sens que ça va être joyeux. Et que je parte par là-bas, ok. Ça va être terrible. On récupère ça. Allez, camarades, on y va. Ouais. Tu as perdu courage et c'est encore un truc. Pas trop ce que je fais. Non, 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 non. Tu as pas de la course, pardon. Et c'est encore. Au hasard pour le doublage. Je sais pas, mais c'est très particulier, oui. Ah, mais tu fais comme tu le sens, Ryuji. C'est à la carte. Tonation. Et de jouer un rôle au passage. Non, mais ils font un effort quand même en essayant de trouver les accents à chaque fois. Je trouve ça rigolo, hein. Les chats parlent plus ou moins tous normalement. Si ce n'est que c'est pas... ça, on ressent pas le doublage. Coucou Siam, comment allez-vous? Comment vas-tu toi d'abord?
que je pars du principe que t'es jamais toute seule, mais... Mais... Je sais pas comment je voulais terminer ma phrase, en fait. J'ai été pris par le sanglier. Non ! Mais j'avais sauté ! Et en plus, je me prends un arbre derrière. Qui me fait perdre un point d'envoyure. Bah ça va dépendre d'à quelle heure je pars. Tartine. J'aimerais partir assez tôt. Et ça dépend aussi de si j'ai un stand ou pas. Parce que j'ai demandé à... à Dark, il m'a dit qu'il me répondrait dans l'après, mais j'ai pas eu de nouvelles de lui depuis, donc... Faut que je le recontacte à ce niveau-là. Il m'a dit normalement oui, mais comme l'année dernière, il m'avait dit la même chose. Si j'ai un stand, j'essaierai de partir vraiment tôt, en fait. Pour commencer à installer. Ça passe, j'ai réussi. Oui. Bah ça va bien, mon côté. Je te remercie. Non, je peux le faire. Je peux y arriver. J'ai foi en la vie. Oh, ce drift des familles. En fait, ça se trouve, c'était la fin. Et du coup, je crois qu'il fallait repartir à droite, mais en fait, non. Non. Entre juillet et août. Faut arrêter de regarder, parce que moi, je sais que j'ai de la visite en juillet. Tu m'avais dit en août, je crois. Ah. Non mais j'ai dit qu'il fallait que j'arrête de grignoter pendant les lives. C'est dégueulasse, ça fait des bruits de mastication, tout ça, c'est... C'est pas agréable. Donc j'essaie de grignoter entre les rediffusions. Allez, on va finir par arriver quand même. On n'est pas mauvais à ce point-là. On est plus loin qu'avant. Ouah, serait-ce un moment de maîtrise absolue, mesdames et messieurs, attention! Ouah, oui, ou... Bonjour tout le monde! Non! Non, sur la fin! Le pain de mie, exactement, Mirage. Loupé. D'accord, ok, merci de me tenir au courant, du coup, Tartine. Ce jeu, c'est Legend of Kay, un jeu qui était sorti, pardon, sur PS2, et qui a été reproposé sur différentes plateformes en version... pas remastered, mais... version HD, quoi. Ouah, dérapage de l'enfer. We can do it. Non, je compte pas trop, c'est pas par là, c'est par là. Fais pas de bêtises à nouveau. Ne te loupe pas sur la fin, ne te loupe pas sur la fin, ne te loupe pas sur la fin. Mais pourquoi j'étais mort tout à l'heure? Ça nous rassure. Mais si, mais je mange. D'ailleurs, ce matin, je m'étais commandé à manger pour avoir plus le temps de bosser. Pour éviter de prendre du temps pour me faire de la bouffe. Et finalement, ça a été loupé parce que le restaurant a eu un problème, a annulé ma commande. Et du coup, j'ai dû me faire à manger. Alors que j'ai pas le temps. C'est trop long.
Moins pas avec la Senyu là. Tac, est en route pour le marais, ok. C'est bon? J'ai entendu dire que derrière cette porte se trouve un sanglier encore plus gros. Si tu le dis, bonhomme. Merci, merci. Bonne soirée, Tartine, du coup. Bon repos. Et à très vite, du coup, puisque bon... Mais je pense que j'enverrai un message à Tartine quand je partirai. Pour dire le GPS me dit que j'arrive à telle heure. Comme un Asterkish. Non, mais ça se fait pas. T'sais. Jusqu'à présent, je commande une fois par mois chez eux. Et du coup, c'est la première fois qu'ils m'annoncent qu'ils peuvent pas livrer en fait. Donc bon, par contre, j'ai envie de baisser la note que j'avais mise parce qu'à la base j'avais mis une bonne note. Et depuis le temps, leurs frites sont devenues dégueulasses. Te revoilà, toi. Oh là, Warax. Que m'a dit Torchi? Il possède des amulettes de transformation. Elles transforment un paisible animal en pauvre enragé. Ce sont des monstres terribles. Je crois que je devrais essayer de frapper sur leur amulette. Comme j'ai peur. Vas-y, viens là, bonhomme. Je me sens mal à l'aise parce que j'ai l'impression que la caméra... Regardez, la caméra me montre pas et tout l'ennemi. Je fais comment, moi, dans ce genre de cas? Boum. J'ai l'impression que je peux pas du tout cibler en fait. Ça me perturbe. Ouais, parce que maintenant monsieur peut carrément déclencher des éboulements. Aïe. Où? Est-ce que c'est le coup final? This is the coup final. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et maintenant, c'est qui le patron? Oui, j'ai vu sur le Discord de Tartine. Chez O'Frenchy. En général, je commande des tacos chez eux. Je vois que tu repères vachement bien quand même, hashtag Soméga. Hein. Ouais, tu m'en rappelles, Tartina. Moi, ça va, celle que m'avait offert BG, je l'aime bien. Bon, si ce n'est qu'elle grince, mais ça c'est de ma faute, je pense. Enfin, c'est pas la faute de BG en tout cas, c'est sûr. Le porno de la chaise. Alors, du coup, c'est parti, toi t'es KO. Mais y'a pas moyen de te transformer en gentil petit sanglier qui... Bon. Au revoir. Allez, on y croit. Veuillez patienter. Je suis bien d'accord, ouais. Qu'est-ce que t'appelles un tacos 2.0, Ryuji? Non, c'est pas au tacos. Parce que je commande sur Just Eat et je crois que le tacos il y est pas sur Just Eat. Ah,
Non, ça va, je perds qu'un cœur. À chaque fois, j'ai peur, genre, je perds une vie. Mais j'ai quoi? J'ai 4 ou 5 vies grand maximum, en fait. Mais non, mais... Mec! Comment je suis censé monter au truc au-dessus? J'ai pas envie de mourir si bête ici. Un sandwich ou poulie? Ouh, c'était limite là. Mais il s'accroche pas. Normalement, c'est directement le service du restaurant, il me semble qu'il livre. Ah, Just Eat? Je sais pas. Ah non, c'est Just Eat. À chaque fois, je confonds, parce qu'avant, c'était Allo Resto. Mais là, ça dépend. À chaque fois, je crois que c'est... régulièrement, c'était un mec du restaurant directement qui livrait. No comment. C'est ça. Mais il y a un petit carré de chocolat. J'ai attaqué une tablette de chocolat noir là tout à l'heure, juste avant de lancer le live. Avec 2-3 petits gâteaux faits par ma momo. Tu sais, les petits sablés là. Allez, je sais que je peux le faire. Oui. Oui. Oh, c'est miraculeux. C'est extraordinaire. La caméra, s'il te plaît. C'est une roue de hamster, non, j'ai pas rêvé. Mais je suis un chat, je suis pas un hamster. Alors, je crois que je fais pas tout dans le bon sens parce que... Non. Alors, la caméra, c'est pas sympa de faire un truc comme ça. Ah, de la vie. Ils savaient que j'allais être nul, ils m'ont mis de la vie. Ils le savaient, depuis le début, hein. Ah, là. C'est bon. Je peux le faire. Du gras chez Otakos. Ah bon? Je suis jamais allé chez Otakos. Bon courage pour ton live mail. Comme je t'envie. Ah bah écoute, j'ai de la chance. Ils sont venus il y a pas si longtemps, elle en avait fait un peu pour tout le monde et j'ai reçu un petit sachet. Et puis quand elle a vu qu'ils étaient quasiment tous partis en une nuit, ils sont allés se coucher, il devait être 23h et quelques, ils sont relevés, il était 6h, il n'y en avait quasiment plus. Donc elle m'a dit ah bon, je te ramènerai plus pour que tu puisses faire le trajet jusqu'à la CMU. Ok, merci maman. Donc de temps en temps, j'en grudge une boîte. Comme ça, de gâteau, là. De tacos. Bah, c'est ce que je voulais manger. C'est comme je vous dis, là, en ce moment, c'est la galère avec la scène new qui arrive. J'ai envie de trop en faire. Et du coup, je m'arrête pas, quoi, niveau boulot. Ah, c'est vrai que j'ai plus de place. Ouah, punaise. La caméra qui aide pas du tout parce que, je sais pas, j'ai l'impression d'être en train de sortir de la roue. Allez, je peux y arriver. Je peux être bon. Personne n'y croit, non? We can do it. Non. C'est bon. Mais du coup, j'ai oublié d'arrêter de travailler pour me faire des spaghettis. Je me suis fait des spaghettis carbo. Même si on peut pas appeler ça carbo, c'est fait n'importe comment, mais... De femmes à leur voiture. Je ne sais pas, GF. C'est une bonne question. Fait nettoyage du génie vers 14h, j'ai fini à 16h. Ah oui! Qu'en avait besoin. Moi, j'ai eu de la chance, c'est mon père qui l'a fait le nettoyage quand je suis allé chez eux à Noël. J'avais dit, ouais, papa, c'est bon. Ça te dérange si je lave ma voiture chez toi? Parce que bon, la laver dans la rue, c'est pas le top, quoi. Puis je suis parti. Jouer avec ma soeur à un jeu de société qu'ils m'ont offert à Noël.
Non. Mais tout ce que je veux, c'est récupérer les trucs qu'il y a là. Ils sont où? Oh, mais... Fallait bien que ça arrive, mais je voulais essayer, quoi. Mais qui a été me placer des machins comme ça aussi haut? Oh, puis zut. Écoutez, oh, punaise. Faut que j'aille par où? Par là-bas. Et du coup, je suis parti jouer avec ma sœur et son mec. Et quand la partie est terminée, je suis parti remplir une bassine, prendre une éponge pour nettoyer ma voiture. Et quand je suis passé devant la porte et que j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu que mon père était déjà en train de la nettoyer. J'ai gagné un lavage gratuit. C'est pratique, hein. Bah oui, c'est rapide. Justement, c'est pour ça que j'ai pris des spaghettis carbo. Tu comprends quelque chose, toi? Peut-être que ces contes de bonnes femmes à propos des fontaines sont vrais. Elles étaient faites en troche comme celle-là. Elles le sont bien comparées. Vous voulez entendre comme moi. Prépare. Écoute-toi, le voilà qui arrive. Désolé pour vos oreilles. J'ai pas écouté hashtag Somégal nouveau. Peut-être que la clameur pourrait les pousser à accélérer un peu, hein, votre éminence. Bah, les pattes, sale sauce ! Bah, j'ai pas l'impression de laisser en fait, puisque je vais voir plein de monde à la CNU, donc ça va. Encore plus, c'est dégueulassé. Quelle idée. Fin d'un chapitre. Trésor expérimental, la course sur la rampe. Je sais pas à quoi ça correspond, on va remettre le son correctement. Super papa, exactement, pour le coup. Il a géré. Bah c'est violent, le son du jeu. Je comprends toujours pas ces jeux qui ne calent pas le son de leur cinématique sur le volume qu'on a décidé dans le jeu, en fait. Là, ça fait que le truc est extrêmement violent en termes de volume, et il y a toujours ce curseur qui se remet au milieu, il est pas gentil. Bon, du coup, on va faire une coupure de rediffusion juste ici, pour attaquer le nouveau chapitre. On n'a pas de numéro de chapitre, d'ailleurs, pour savoir à quoi ça correspond. Bizarre. Du coup, coupure de rediff, j'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous, je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstéjeux.fr et passez une agréable fin de journée. Allez, prenez soin de vous et à ciao tout le monde, du moins à tout de suite. Pum 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 p